Salut, c'est Philippe de MGS Gaming sur Resident Evil 7 pour mon épisode 13. Donc, je reviens du grenier. Ouais, il y a la cassette, une cassette vidéo et puis une carte d'accès bleue, donc je dois aller la rechercher. J'ai fait un peu de place dans mon inventaire, mais c'est pas évident. Bah, je veux pas me séparer de mes armes déjà, des munitions, ça j'en ai besoin. Ça, je vais en avoir besoin parce que je dois me faire des remèdes. Faudrait que je me crafte des fluides chimiques ou trucs comme ça. J'ai vu un fluide chimique, je crois. Un fluide chimique fort. Bah dans le grenier, je crois. J'ai pas pu le prendre, oui. On va pas que je l'oublie. Donc, j'ai un fusil en bois que je vais utiliser en bas, sur la statue. Ça, je sais pas. Je sais pas ce que c'est cette fausse hache. C'est pas marqué là. Résoudre l'énigme de la chambre principale. Trouver deux cartes d'accès. Je sais pas. Je vais aller ouvrir le petit coffre qu'il y a en bas avec le crochet que j'ai sur moi. Ça me permettra de me faire de la place dans mon inventaire encore. Donc ça y est, c'est reparti. Je ne suis plus dans une zone safe. Safe. C'est là que je recommence à avoir peur. Bah c'est pas par là. Attendez, bah, j'ai pas besoin de faire le tour, je crois que c'est par ici. Je crois que c'est par ici. Oui, c'est là. Il y a une horloge là. Tiens, en fait, j'ai besoin de. Il est 10h15, parce que j'ai besoin de l'heure pour l'horloge en haut à l'étage là. Donc ici, ça. Oh merde! N'importe quoi. Mais c'est abusé, quoi. 6 cartouches. D'accord, ben prends-les. J'ai tiré, mais alors. Dites pas ça. Donc j'ai dit 10h15, ok. Je vais ressortir par là. Le fusil est pas loin. Donc il y avait un machin en haut. Je crois que ça représentait le lance-grenade ici. Hein. Je crois que c'était cette pièce-là avec le cerf là dessus. Il n'y a rien. On va aller mettre le fusil et récupérer l'autre. Sait jamais quand même. Hein. Donc, là, je prends ça se referme. Ok. N'empêche, on est bien en sécurité ici. Et donc je remets l'autre, celui qui est en bois. Super. Ça marche nickel. Et donc moi j'ai récupéré le fusil. Le voilà. Fusil cassé, ouais. Fusil cassé. C'est cassé et inutilisable. Mais, bon, ce pistolet-là aussi était cassé, puis j'avais pu le réparer. Je pense qu'on va pouvoir le réparer après, celui-là. Il doit être plus puissant que ce fusil M37. Ok. C'est une tête. Ouais. C'est un fusil à double canon. Donc, ouais. Je vais aller rechercher ce que j'avais laissé dans la pièce là-haut. Joyeux anniversaire. Donc là, il n'y avait pas un fluide chimique fort, là, si, voilà. Et ensuite, la carte là-bas. Carte d'accès bleue. Voilà, il ne manque plus que la carte d'accès rouge. Pour aller dans le jardin. Et rejoindre. Rejoindre Lucas. Lucas, je sais pas si c'était un malade, mais en tout cas il était intelligent, il a des trophées. Hein. Trophées d'ingénieur et de machin en robotique là. Ok. Ah oui, donc, la cassette. On va regarder la cassette d'abord ou bien je vais mettre l'heure sur l'horloge là-bas. On va mettre l'heure sur l'horloge. On verra bien. Il y a un truc en dessous là. T'es encore là, toi?
Putain, j'ai envie de mettre une balle juste pour voir. Il y a de la lumière en dessous, il y a un passage en dessous du lit. Ça va servir à ça l'horloge, c'est un passage secret. 10h15 on avait dit. Non, 10h15, ouais. Là. Ah bah c'est sûrement en bas qu'on va trouver la tente d'accès rouge. Ok. Non. Ne referme pas, ne referme pas. Oh non. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Oh là là. Quoi? Quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Quoi, c'est parce que t'as vu ça? Putain. Putain, y'a rien. C'est quoi ça? Ah, la carte d'accès rouge. Bah la voilà. Bah c'est cool. C'est des animaux. Tu sens une armoire ici. Munition améliorée, c'est cool ça. Justement, j'avais tiré ma dernière munition comme un crétin. Vas-y, reprends les munitions améliorées, voilà. Y a rien d'autre? Non. Ici, il y a une porte. Où est-ce que je suis, moi? Ah, mais je suis dans l'atelier! Ah, mais d'accord, je suis dans l'atelier, d'accord. Donc, de la chambre là-haut. Ouais, d'accord, je suis descendu au rez-de-chaussée, puis après au sous-sol. Donc là, je suis au sous-sol dans l'atelier. D'accord. Ok. Un atelier, ça. Ok. Putain. Donc, moi, il faut que je remonte pour aller voir... faut que je remonte pour aller à l'étage voir la cassette. Je crois qu'il y a un lecteur de cassette là où il y a le billard. Bon. Dégage-toi, mon sang. Ah, tiens. Non, mais oh. Oh, boum, 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 boum. On se casse. Putain. Tiens, j'ai du sang sur moi, mais j'ai plus de machin là. Avec ça je peux me faire un remède, mais c'est chiant d'utiliser un gros remède. Voilà, faudrait c'est parce que ça tout seul ça restaure un petit peu de vie ça, voilà. J'ai rien dans... Non, j'ai rien. On va aller regarder la vidéo. La cassette vidéo. Et puis...
Je répondrai si je veux d'abord. Hé, mon pote, souviens-toi, avec ces deux cartes d'accès, tu peux entrer à la fête. Sois pas en retard. Laisse-moi parler à Mia. Non, non, non. Tu dois d'abord te pointer. T'as quand même pas oublié où était la fête, pas vrai? Tu peux entrer depuis le jardin. Dépêche-toi, mec. Allez, tout le monde t'attend. Purée. Ouais. Ah mais c'est l'horloge qui fait toc toc. Il y avait une horloge là. 10h15. Bah ouais. On va plus. Allez, on va aller chercher. On va aller regarder cette cassette. C'est parti. Happy birthday. Toi, mon pote. Bon, je peux dire que t'es un sacré vénard. Tu sais, je t'en reviens, en fait. Quoi? Tu me crois pas? Ça y voit, j'ai l'air de faire semblant. Ça, j'ai mis des on a tous au point, et c'est enfin prêt. Mais tout ça, rien que pour toi. Allez, vas-y. Fais pas la gueule. On va bien se marrer. Tu vas voir. Je crois que déjà enfant, il était cinglé, lui, hein, malgré qu'il soit très intelligent. Oh! Ça. Un automate. Oui, des ballons d'anniversaire ici. C'est quoi ça? Un ballon pas gonflé. Je peux rien faire là-dessus. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? J'ai intitulé ce jeu, j'aimerais vraiment sortir de cette pièce vivant et ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Je sais, c'est un titre provisoire. Prends une bougie, allume-la et mets-la sur le gâteau. Et n'oublie pas de sourire, cette fête est pour toi. Va te faire foutre. Got light, il faut mettre une bougie sur le. La bougie n'est pas allumée, d'accord, j'ai compris. Il faut allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. C'est quoi ça? Il faut trouver un code, mais j'ai pas de code moi, j'ai pas eu de. J'ai pas eu d'indice. Je crois pas, hein. Clé de remontage. Clé de remontage. Oh. Oui, il y a un truc qui coule, ça n'arrête pas de couler.
Tu y as rien. Ah, ici, ça. Plus grand montage. Impossible d'utiliser ça ici. Couper l'eau, ça peut-être, non? Parce qu'apparemment, quand je passe, ça éteint la bougie. Il faut couper l'eau. Un gaz, ça marche ça. Donc je peux allumer la bougie. Ok, ça me fait de la lumière, mais je peux pas passer, d'accord. Donc il y a un truc à résoudre. Oh. Clé de remontage. Clé de l'huile. Ça peut marcher ça, oui. Pas beau le... Pas beau le robot. C'est tout. Il manque quelque chose. Il manque un doigt. Ah, je peux tirer la chasse d'eau aussi. Putain, ça va déborder. Ah, oh, mais c'est plus dedans, c'est dégueulasse. Oh. Bon. J'ai la gerbe. Oh putain, lève-toi les mains, écoute. Télescope sale. Sélectionnez le télescope dans l'inventaire. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Là j'ai les bougies. Et puis là. Je peux pas prendre le télescope ? Oh, ça marche le machin. Je peux pas prendre le télescope. Non. Si j'enlève ça là. J'ai toujours la bougie, je peux pas. Prendre le télescope. D'accord. Bon, bon. C'est cool ça. Il y a plein d'eau qui sort là. Alors, attends, moi c'est un télescope sale. Il semble être équipé d'un filtre polarisant. La crasse empêche de voir à travers. Ben oui, mais... On peut le prendre. Ça se fait, ça. Mais j'aurais pu le laver, non? La crasse empêche de voir à travers. Il n'y a pas un lavabo, là? Non. Ici, c'est quoi ça? On n'a rien à utiliser. On peut utiliser la bougie quand même. Pour tout faire sauter. C'est un tuyau de gaz ça. Là-bas, il y a. Il faut rentrer. Ici, on a des écrans. Mais l'espèce d'automate là derrière, là. C'était peut-être pas un automate. Ok, des gens. Okay. Ici. Ah bah on peut peut-être maintenant faire ça, ouais. Okay. Ouvre. Oh putain. Des ballons. Là y'a rien. Là y'a rien. Un ballon. Un ballon, un ballon, un ballon. Putain, c'est... Happy. Difficile d'ouvrir ça sans le mot de passe.
Happy, c'est pas le mot de passe, alors pour l'instant je peux même pas interagir dessus, hein. Je peux même pas bouger les trucs, donc on doit rien avoir. Il n'y a plus rien là-dedans. Donc qu'est-ce que j'ai moi? J'ai un ballon. Pas là-dessus des fois. Si. Oh putain. Oh ça, ça va faire mal. Voilà. Oh putain, mais... le clou il devient mal, mais alors ça... Plume. 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 Non, mais lui, ça, c'est pas une plume qu'il lui faut. Si. Ah si, pour écrire, mais... Je crois que c'était un doigt qui me manquait. Merde. Ça ne tient pas. Bah oui, parce qu'il lui manque un doigt. Ah oui, parce que sinon il doit écrire quelque chose, un mot de passe peut-être, ou je sais pas quoi. Un mot de passe. Donc, bah là, qu'est-ce que je dois faire alors? Là j'ai été, là-bas le... Il n'y a rien qui marche, ici il n'y a plus rien. Rien. Ce qui me reste, c'est mon... Bah oui, bien sûr. Ah putain, je disais en train de me dire non, mais si. Et alors? Ok, donc je vais peut-être voir quelque chose quelque part avec ça, moi. Oh, c'est le code... C'est le code du truc, ça. C'est quoi, ça, un pendu? Ça, c'est un oiseau sur un truc. Et c'est un bébé. Un fœtus. Yeah. Donc, c'est ici. Un fœtus, un... je sais plus quoi. Ça, un oiseau. Et l'autre, c'était quoi? C'était un pendu, c'était ça. F. Ok. C'est quoi ça? Poupée de paille. You. Bon, qu'est-ce que je fais avec ma poupée de paille, moi? Une belle jambe, ça. Là-bas, j'ai toujours pas de... Non. Est-ce que je peux prendre ce truc? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Non, bien sûr. Mais voir un peu. Poupée de paille sur un bâton. Poupée de paille sur un bâton. Poupée est dure au toucher. Oh
Ok, putain. Ok. Et alors, et dedans, il y a quelque chose, non? Le doigt d'automate. Putain. Putain, c'est long tout ça. Hein. C'est long. Du coup, on peut lui mettre son doigt, ce machin. Ça y est, il est content, il y a eu son doigt. On peut lui remettre la plume. Ok. Maintenant, mets-toi en route et donne-nous... Putain. Oh putain! Oh putain! Loser! Oh là là! Loser, ça va, ça n'a pas été si terrible que ça, je croyais que t'allais perdre un bras, moi. loser. Ça doit être le mot de passe. J'ai plus rien. Le mot de passe pour là-bas. Et normalement, je dois pouvoir ouvrir, fermer l'eau et passer. Alors, est-ce qu'on ferme l'eau? Voilà, c'est ici. Ah oui, non, oui, oui, c'est... Ah oui, c'est... C'est non, c'est un... Il faut une manivelle pour fermer l'eau. Ouais. Le tuyau est là-bas. J'ai oublié. Oui, 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 oui. Ok. Vas-y. Ok, ok, ok. On y est. Allez, on y va, allez, on y va. Pas perdre de temps. Donc maintenant, ça va marcher. Okay. Allez, on se casse. Oh putain! C'est sûr, c'était... Oh putain! Ah oui! Le liquide! C'est un putain de piège! C'est fermé. Heureusement que c'est pas Ethan. Putain, t'as résolu l'énigme de ta mort. Joyeux anniversaire. Donc, bon, alors, bah, donc, bah, voilà, on a les clés, ça, je sais pas ce que c'est, faut que je... Ouais, faut que je me débarrasse de ça, du coup, ça y est, on l'a vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Et puis, faudrait que je trouve ce que c'est. On va aller à la caravane. Ça, je vais pouvoir mettre ça dans le coffre. Puis je verrai un peu si je peux me faire des remèdes, et puis après, ben voilà, on pourra utiliser les clés magnétiques, les cartes d'accès sur la porte derrière la caravane. Oh, 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 oh. Cours, mais il court pas, ce techno là. Ah, mais cours, cours, cours. Ah, j'ai eu. Purée.
Oh, oh, il y en a encore là. J'ai plus de munitions. Ah, ça va, j'ai pas mal de munitions dans mon fusil. Ok. Allez, je vais sauvegarder ici. Et puis, on continuera dans la prochaine vidéo. Encore pas mal d'émotions. J'espère que vous avez apprécié ce let's play, encore une fois. Laissez un pouce en l'air si c'est le cas, si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé, en tout cas. Et à très bientôt pour la suite. Allez, ciao.